Christmas this year. What do you want for Christmas this year? Eh bien, bonjour à tous, c'est le Juriste Motard. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Donc, comme vous le savez tous, les fêtes de fin d'année arrivent. Et donc il était de circonstance de vous faire une petite vidéo afin de vous souhaiter un joyeux Noël. Je pense que c'était le moindre des choses. C'est pourquoi j'avais une petite course de Noël à faire en vitesse. Et j'en ai profité pour vous faire un petit vlog. Petit vlog un petit peu spécial. Puisque, comme je viens de vous le dire, je tenais à vous souhaiter un excellent Noël. Un joyeux Noël à tous. J'espère que vous passerez demain. Parce que nous sommes mardi aujourd'hui. Et demain, c'est Noël. J'espère que vous passerez tous de joyeux Noël dans vos familles respectives. Et je tenais également à faire ce vlog pour vous remercier. Ouais, vous remercier tous mes abonnés. Nous sommes aujourd'hui à peu près, je dirais, 350 environ. Alors, pour ceux qui regardent mes outros de vidéos, et ceux qui ne le font pas, je ne vous en veux pas. Dans la vidéo présentation de ma moto, il me semble, je vous avais promis une vidéo de remerciement des 100 abonnés. Malheureusement, c'est allé trop vite, j'ai pas eu le temps. Comme vous le savez, je suis étudiant et il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo des 100 abonnés. Puisque nous sommes très très vite montés, je n'ai également pas eu le temps de faire de vidéo pour les 200 abonnés. Parce que c'est allé très vite et j'ai pas eu le temps de me retourner. J'ai pas eu non plus le temps de vous faire une vidéo en avance pour pouvoir la mettre en ligne dès que nous avions atteint les 300 abonnés. Donc voilà, je me suis dit, on va en profiter de cette vidéo avant Noël pour vous remercier également. Parce que, bien évidemment, chaque motovlogueur le saura, sans vous, on n'est pas grand-chose, finalement. Alors, vous pourrez me dire, on fait ça avant tout pour soi-même, bien sûr, bien entendu. Mais je me voyais mal mettre des vidéos de moi avec sur YouTube s'il n'y a pas, en fait, cette communauté qui se crée. Et contre toute attente, je ne faisais pas ça pour la gloire ni quoi que ce soit, je ne le fais toujours pas d'ailleurs, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes me suivent, à un partage aussi important et une réactivité de votre part aussi agréable, parce qu'en effet via les commentaires vous êtes toujours en train de me dire que je fais du bon boulot et ça me fait super plaisir que vous appréciez mes vidéos. J'espère que c'est toujours le cas et que ce sera toujours le cas à venir. En tout cas, je fais ça en espérant de vous faire passer du bon temps derrière votre ordinateur. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de vous faire une vidéo de remerciement. Je pense que c'est la moindre des choses également. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Ici, je me suis torché il n'y a pas longtemps. Donc je vais me concentrer. Hein, parce que voilà, dans ce rond-point, juste là, voilà. Ma moto est partie. Hop. Et c'est réussi. Donc voilà, et je vous tenais également aussi à remercier, parce que je pense que certains d'entre vous le savent, puisqu'ils me suivent déjà. Mais je suis présent également sur Facebook. Voilà, je voulais vous le dire de vive voix parce que ceux qui ne regardent pas les outros de mes vidéos ne le savent probablement pas. Et n'hésitez pas à aller me rejoindre sur la page Facebook. J'entretiens une relation assez particulière avec mes abonnés Facebook avec qui je discute assez facilement.
que ce soit en conversation privée, que ce soit via les commentaires de ce que je poste assez régulièrement. J'essaye de mettre une publication tous les 2 jours à peu près. Et je tenais déjà à remercier plus encore ceux qui me suivent aussi sur Facebook et aussi sur YouTube. Et j'ai décidé de me lancer dans quelque chose de différent. C'est-à-dire que à chaque vlog ou dès que j'en ai la possibilité, de remercier 5 abonnés qui ont été présents particulièrement et qui ont suivi mes vidéos avec attention et qui réagissent le plus souvent. Alors c'est pourquoi aujourd'hui les nominés sont, on se croira aux awards, Timothée, je pense que tu te reconnaîtras, on doit aller se boire un verre bientôt sur l'île, en janvier, je te l'ai promis, qui m'a demandé des conseils quant au changement de sa moto. Il a acheté une 50 à boîte, Suzuki. Voilà, je tenais à te remercier de ta présence, de tes commentaires, de tes petits mots le soir, etc. Voilà, c'est vachement agréable. Même si je réponds pas toujours parce que j'en ai pas toujours la possibilité, sache que je lis tous tes messages. Je tenais également à remercier Loïc, qui a une Derby, qui figure parmi les premiers qui m'ont envoyé ses photos. Une photo de sa machine pour l'album sur Facebook, puisque j'ai un album qui est dédié spécialement aux machines des abonnés. Donc c'est-à-dire que vous m'envoyez une photo sur Facebook, je la publie, avec un petit détail, la marque de la moto, l'année, et puis à qui elle appartient. Je tenais à remercier également Anso qui est présente sur YouTube et sur Facebook, et qui m'a un peu ému hier via les commentaires Facebook sur un post que j'ai mis, qui m'a dit que si jamais j'avais des ennuis, je pouvais la contacter. Et franchement, ça m'a touché. Écoute, je te remercie pour ta présence également. Je tenais en 4e position à remercier Lignan, qui a changé sa moto. Qui a changé sa 125 contre une 600 XTE de 1995, donc une année plus jeune que la mienne, qui m'a envoyé une photo et qui m'a raconté un peu ce qu'il avait fait avec sa 125, il était parti au Portugal, etc. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager une petite conversation avec toi. Voilà. Et je tenais à remercier cette fois-ci un autre motovlogueur. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mis à part par écrit dans une vidéo en outro. C'est Galorv. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos, mais je pense que vous le connaissez tous, qui roule sur une 750 XTZ. Voilà. C'est celui qui a partagé en fin de vidéo, qui a partagé ma chaîne. Et qui a dit de venir me découvrir. Écoute, je n'ai jamais eu le temps de te le faire ou quoi que ce soit dans une vidéo. Voilà, c'est chose faite. Encore un grand merci. Grâce à toi, j'ai pu connaître un peu plus d'abonnés. Ça m'a fait grand plaisir. Donc voilà, je vais vous parler vite fait de l'avenir de ma chaîne. Concernant l'avenir de ma chaîne, certains vlogs vont arriver. Avec des sujets bien précis, j'espère que ça vous plaira. Je pense que certains, l'un d'entre eux notamment, devrait vous plaire puisque vous pourrez apprendre certaines choses. Alors, ce ne sera en aucun cas sur comment conduire sa moto. Chacun a sa conduite et je ne veux pas non plus dire comment on fait. Voilà. Mais ça sera un vlog un peu instructif sur la moto qui pourra être sympa et j'espère que ça vous plaira. Un deuxième vlog est en préparation et en cours d'écriture. En tout cas, j'y cogite dans ma tête, qui sera un peu un vlog communautaire puisque je ferai participer d'autres motovlogueurs. D'autres rencontres seront prévues et ça, je potasse un peu ça dans mon coin en attendant de mettre ça officiellement sur Facebook et sur YouTube. Enfin, voilà. Normalement, le 10 janvier, je m'en vais faire une hivernale avec mon père. Vidéo en suivra également. Donc on s'en va camper une nuit dans le froid, sous la tente, et on part tous avec les motos chargées.
devra suivre aussi, puisque c'est Noël, moi c'est un Noël moto, puisque je vais avoir pas mal d'équipements, que ce soit pour la moto, que ce soit pour moi. Donc je vous en ferai part dans une petite vidéo où je ne serai pas à moto, mais dans laquelle je vous présenterai mon équipement définitif. Et également les daily observations que je fais tous les jours. Ah, bah je cherchais la sixième. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens encore une fois à vous remercier. Vous êtes géniaux de participer autant sur d'être aussi actifs sur la toile via les commentaires YouTube, via les commentaires Facebook. C'est génial, j'adore. C'est une communauté extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à autant de partage quand je me suis lancé là-dedans. C'est formidable. Je vous remercie. Encore un joyeux Noël. Et je terminerai cette vidéo en faisant un petit coup de pub à un YouTuber que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, lors d'une nuit d'insomnie, qui s'appelle Suricat B. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est un YouTuber qui met des vidéos sur une 500 XT de 1979, qui a eu l'occasion de partir dans les Alpes, qui fait des études dans la même fac que moi. Et ce ne sont pas des vidéos avec des daily observations, c'est pas tout ça. Mais il a fait des vidéos qui sont assez longues, mais je trouve que c'est vachement reposant, c'est sympa à voir. Un soir, vous savez pas quoi faire. Vous voulez vous poser avec une petite bière devant l'ordi, tranquille, avec les écouteurs. Il a fait des cols, des ascensions, des descentes en 500 XT sur une vieille machine. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de micro, c'est tout simple, mais j'adore. Enfin, personnellement, j'adore. Donc je tenais à le dire, puisque ben, moi, quand on me l'a fait, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça lui sera utile également. Et bien, sur ces mots, c'est sur le périph' lillois que je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël dans vos familles. Profitez-en, c'est tellement sympa de revoir tout le monde. Et puis les cadeaux aussi. Si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, je vous y invite. Ce sera avec grand plaisir que je partagerai avec vous la passion de la moto qui nous réunit. Je vous invite également, si vous en avez l'occasion, à aimer la vidéo, commenter, puisque je suis toujours là, je réponds à tout le monde. C'est avec plaisir que je le fais d'ailleurs. Et à aimer la vidéo, à la partager, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir. Déjà, si vous la regardez avec attention. Il me laisse passer là ou non? Et donc voilà. Écoutez, merci à tous, encore une fois. Et puis, bonne fête de fin d'année. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Baseline.